évidemment, bonjour à tous. On est le vendredi 29 janvier, il est 10h28. Je vous fais mon premier vlog. J'ai pas envie. Je suis couché à 5h, j'ai rendez-vous dans une demi-heure. Là, je suis en train de lire les commentaires sur la vidéo précédente et regardez sur quoi je suis tombé. Hugo qui dit des vlogs pour voir les coulisses du spectacle. Qu'est-ce que je suis en train de te faire, mon bon Hugo? Mon gros Hugo. Oui, parce que je t'imagine un peu gros. C'est ce que je suis en train de te faire aujourd'hui parce que je joue ce soir à Pertuis dans le sud de la France. Vous avez demandé un vlog sur ma vie, moi je fais, hein. Vous m'avez demandé, je fais. Mais ça veut pas dire que ce sera intéressant, attention. Ça va comme ça? Il est 11h04, c'est-à-dire que j'arrive à être en retard alors que le rendez-vous se trouve à 2 mètres de chez moi. Techniquement, il y a que les mecs très très en retard dans la vie qui peuvent y arriver à ça. Je sors du rendez-vous, il est 11h49, mon train est dans... D'accord, donc tu veux pas que je fasse un vlog. Donc j'ai un train dans exactement 37 minutes. Je dois faire mon sac et partir à la gare. J'ai vraiment l'impression d'être des infos qui ne servent à rien. Mais c'est le jeu du vlog, je joue le jeu. Pour info, je pars avec Clémence. Clémence qui est la personne qui se charge de me trouver des dates de tournée et que tout se passe bien et qu'il y ait du monde et que ça rit. C'est quasiment elle qui fait le spectacle. C'est Clémence. Oh, tu veux te mettre là? Ça t'a la vue? Ah ouais, si tu veux. On voyage avec un abonné. Il regarde des vidéos à moi. Ça, c'est le fond d'écran Windows. Je te propose une séquence de si tu te lèves, tu baisses ton pantalon. Ouais, et ensuite? Tu mets tes fesses sur la tête du mec qui dort. C'est 1 million de vues sur. Allez, pour la France. Donne ton code à la France. Je sais pas toi, mais moi, ça me fout un peu la pression de... Ouais, de manger devant 200-300 000 personnes. J'ai l'impression d'être à une grande table avec plein de gens. Je fais très attention à pas trop ouvrir la bouche quand je mange. Et sinon tu me fais chier. Bisous. Moi, tu voulais faire un vlog un peu classe. On voyage avec ça. Donc je vous tiens un peu au courant, hein, pas que vous ayez l'impression que je vous laisse tomber. Là, on vient d'installer tout ce qu'il fallait pour le spectacle de ce soir. Dans une salle de... C'est 300 personnes, hein? Ouais, un peu moins. Moins. Mais ça faut pas le dire parce qu'il y a la caméra. C'est complet ce soir. Oui, c'est complet. 350, on refuse une cinquantaine de personnes. Ouais, on a pas le choix. Ouais. Merci de jouer le jeu. Et on joue dans 2 heures. Il y a Apple qui est bon en marketing. Ouais. Ils sont bons. Nike, ils sont bons en marketing. Et les 3e de France. Ah, celui qui fait ça. Hein. Le clodo. Oh la tristesse. Il y a un kebab sinon là. Bonsoir. Mon but dans la vie, c'est de faire ma carrière en patron de bar. Donc, clodo. Aperçu. Les gens nous regardent bizarrement. Les questions qui reviennent souvent en ce moment par rapport au mois de défi, c'est du coup comme j'ai pas envie de faire des incrustations avec les captures d'écran de commentaires. Donc on va les citer. Bah c'est toi qui vas me poser des questions, tu vas faire comme si t'étais abonné. Ok, je suis pas vraiment abonné en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que tu te lèves vraiment tous les jours à 7h pour poster la vidéo? Donc, vas-y. Ah mais je me pose vraiment cette question. Vas-y, pose. Est-ce que toi tu te lèves tous les jours vraiment à 7h du matin pour poster tes vidéos? Non, Clémence. Et quand je dis Clémence, je parle à 350 000 abonnés. Les Clémences. Je me lève pas toujours à 7h du matin. En fait, je programme les vidéos. En général, je finis mon montage entre 2h et 3h du matin. Je programme à 7h du matin. Je me réveille. J'ai un réveil à 7h05 quand la vidéo est en ligne. Comme ça, je regarde si elle est bien en ligne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que ta vidéo elle parte pas et que du coup tu dois la relancer? C'est une question des abonnés ou c'est ta question? C'est ma question. D'accord. Non, pas ce mois-ci. Ça m'est déjà arrivé sur ma chaîne, mais pas ce mois-ci. Autre question que les gens me posent souvent. Ouais, ils posent quoi d'autre comme question? C'est bah tu dois savoir puisque tu représentes les abonnés, mais bon. Vrai. Je te le rappelle quand même. Qu'est-ce que tu vas faire après ce mois de défi? Ah ouais, mais tu fais quoi après ce mois de défi? Tu joues bien en tout cas. J'ai une idée assez précise. Je sais ce que je veux faire, mais je l'annoncerai à la dernière semaine. Mais il va se passer des trucs sympas. C'est pas mal ou pas comme teasing? Ouais, c'est pas mal. Ça donne envie de te poser. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Bah non. Le but, c'est vraiment de teaser là un peu et puis d'annoncer ça sur les 3-4 dernières vidéos. Bonjour. Vous allez bien? C'est Hakim. C'est un abonné. Ensuite, l'autre question qui revient, c'est parce que je dis souvent en début de vidéo, alors évidemment, bonjour à tous. Alors évidemment, bonjour à tous. Et je dis pas à toutes les vidéos. Alors vas-y, pourquoi tu dis pas à toutes les vidéos? Ah, très bonne question, Clémence. Merci d'avoir posé cette question. En fait, je dis pas tout le temps parce que je fais la différence entre les vidéos que je joue et les vidéos où je parle aux gens directement. Un vlog, par exemple, je m'adresse aux gens. Je considère que la caméra, c'est un intermédiaire direct avec les abonnés. Tu parles directement à ton abonné, mais c'est ça. Et. Ah, mes abonnés, parce que. Ouais, ils sont plusieurs. Tu les représentes, mais ils sont plusieurs. Et par exemple, ce matin, le vlog,
quand je me suivais, j'ai commencé par alors évidemment bonjour à tous, avec une voix un peu rauque, hein, parce que c'était le matin. C'était le matin. Mais j'ai quand même commencé comme ça, parce que c'est une vidéo où je m'adresse aux abonnés. Ils te répondent ? Ils me répondent, ouais. Enfin, il faut quand même que je mette la vidéo en ligne et après ils répondent. Sinon, ils ne répondent pas. Sauf Hakim quand il vient directement. Parce qu'il vient directement à la source. Et sur les autres sketchs, les trucs plus joués, là, je commence le sketch comme il doit commencer, quoi. Ah oui, il me pose souvent. Alors, il y a encore deux questions. Il y a encore la question de est-ce que ça va, pourquoi tu ne me réponds pas ? Mais ça, c'est ma mère. Et la dernière question que les gens posent souvent, c'est est-ce que tu fais vraiment tes vidéos au jour le jour ? Là, vas-y, pose-moi la question quand même. Alors, est-ce que tu fais vraiment tes vidéos au jour le jour ? Très bonne question. Il faut savoir que oui, je fais mes vidéos au jour le jour. J'avais annoncé sur la première vidéo que j'avais noté quelques idées de thèmes, mais que j'avais aucun texte, rien du tout. Je les écris le jour même. Voilà. 7 jours sur 7, week-end compris. Exactement. Et plus on traîne ici, plus ça va être long pour moi de monter, ça va être l'horreur. On part au spectacle. J'ai envie de faire rire les gens. J'ai envie vraiment qu'ils prennent leurs voisins comme ça et qu'ils leur mettent des coups de poing de rire. C'est hyper violent. C'est un spectacle un peu violent. Mais ça, c'est annoncé sur l'affiche. Hein. Spectacle un peu violent. Ça a commencé dans deux minutes. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Pierre. C'est Siri qui fait la première partie. Que vous rassoir. Il est en train de se barrer, monsieur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Oui. Cool. Ça va. Et eh ben on peut faire des photos si vous voulez. Trois personnes pour ça. Oui. Non, c'est très bien, merci beaucoup, il me ressemble beaucoup. Voilà. À côté de son chat mort. Il est minuit passé. On rentre du spectacle, on a dîné avec l'équipe du théâtre et là je vais monter cette vidéo avant 7h du matin. J'avais déjà fait des vlogs avec le foot golf, le crossfit, donc des activités précises. J'avais jamais fait un vlog avec ma vie brute. J'espère que cette vidéo donc vous plaira. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je pourrais en refaire peut-être un par semaine ou 6 par jour, comme vous voulez. Vous pouvez vous abonner aussi, vu que c'est une vidéo par jour jusqu'au 15 février. Et bien sûr, vous le savez, je vous dis merci.